Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous va développer deux points pour l'information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là encore les remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécier ça en pile. Nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en noue. Travail réaménagement construction tronçon plusieurs routes a continué dans ville Jérémy. Direction départementale ministère travaux publics là à communication grandes là mobiliser diverses unités pendant week-end là pour permettre travail ça yo continuer dans grandes. Directeur départemental agricole nord-est là agronome Sylvain Sama dit yo paré pour yo capable recevoir construction centre semencier dans commune Ferrier. Planter ak agriculteur yo nan Grand Noir pral bénéficier bon qualité semence d'après responsable yo. Ces informations ça nous pote pour ou, et bien nous pas perdre temps non là. N'a commencé coulier. C'est grand ça tap travail ou ten ça sur tronçon route ville Jérémy à Bricoa et spécialement localité numéro 2 tout près aéroport ak tronçon qui sorti Kafou Maka pour al bout Léon. C'est à campagne difficulté pour un monde traverser rivière Guayamon qui trouvait dans la commune Inche. Rivière ça compte même petit monde et puis pour te aller tout ça paysan posséder les lits débordés. Pour résoudre problème ça sous supervision travaux publics transport communication gagne un film privé cap travail dans l'idée pour construire un pont sur rivière ça pour faciliter circulation un travail cap avancé d'après ingénieur Ousvel Jean. Nous déjà on dirait à 60% de réalisation. Souper les finir à la centrale là, c'est pour ce que n'a pas le faire et puis pour commencer avec tablier et puis après le retenir des protections, on a besoin pour en termes de gabonnage pour éviter affouillement. La population a exprimé satisfaction pour travail d'après ingénieur Ousvel Jean qui baille garantie à respecter des délais qui prévoit pour finir le travail. Nous parlons mieux, on comprend ça et puis c'est un. L'ouvrage qu'a fait pour la communauté, ils collaborent pour l'ouvrage la réaliser. Si le travail de construction pont rivière Guayamon avancé, ce n'est pas différent tout pour Saint-Raphaël. Côté préparation fait dans le Mosias, une façon pour continuer à mettre asphalte. L'équipe TPTC Grand Est a travaillé week-end ça sur tronçon route ville Jérémy à Bricoa et spécialement localité numéro 2 tout près à l'aéroport avec tronçon qui sorti Kafou Maka pour le bout de Léon. Directeur TPTC Grand Eslan, Vince Fremont, va garantir tout chantier pour aller commencer dans un petit temps qui n'est pas trop loin. Actuellement, nous avons un chantier numéro 2 qui reprend côté que n'a pas asphalté et nous avons asphalté 6 km, près de 6 km. Nous avons commencé, bon, nous avons campé, donc nous avons redémarré. Actuellement, là, il y a fait canal sur route et numéro 2. Nous avons fait le profilage sur toute longueur. Maintenant, nous préparons pour nous mettre une couche de base où on a préparé là, sur route numéro 2. Nous avons un chantier bord qui va redémarrer. Nous avons un bord de mer qui va redémarrer. Nous avons un chantier ferroviaire tout. Il y a travail sur le fonds d'entretien routier. Il y a travail sur le. Il y a plusieurs autres chantiers encore qui va redémarrer dans la semaine qui vient là. À côté de l'autre mesure qui était déjà prise dans le département pour permettre le travail infrastructure avancé, direction départementale là, mettez un mini gravel dans la commune Ozo pour exploiter le sable qui est dans la zone et puis préparer 0.40 pour utiliser la construction route. Gardez Kounia là, il vient mener un mini gravel pour nous là qui est capable de produire près de 160 mètres cubes et de matériaux 0.40 par jour. Donc après 15 jours là, on a bon volume matériaux pour nous capable commencer à étaler 040 là sur toute route et numéro 2. Donc il y a d'autres routes qui vont le faire tout, qui vont l'asphalter, il y a une route bord là tout, bord Kafou Sanon, nous attaquer là, dans le fond d'entretien routier, il y a un béton, il y a un canal qui va le faire là-dedans. On a tout profité, tout préparé, tout pour bord pour nous asphalter tout. En ce dernier, nous reprofiler près de 23 km. Route, une route qui était faite depuis 1954, pas de entretien sous lui, et le président voyait le faire. Yo reprofilé route douce, ni petite machine qu'a fait pour sortir et en ce dernier pour aller première section, deuxième section en ce dernier. Et nous commençons route sous en ce dernier toujours. Bon, vous entendez dans en ce dernier les Gabriel, les gars commencent. Et route ça lui-même,
Et chaque week-end, nèg yo ap intervenir. Gon flotte kap sot en bas parce que l'ap sorti depuis Iwa, l'ap reprofile route là depuis Iwa, rive jusqu'à Jérémy. Donc yo pral commencer dans semaine ça là, recommencer dans semaine ça, yo pral prendre depuis Iwa pour aller et Ansdeno et Dame Marie. Et pour arriver juste Jérémy. En pèlerin en ville Jérémy, déjà asphalté grâce à caravane changement, d'après le directeur départemental là, Vince Fremont, qui va garantir la continuité de travail pour permettre le département d'avoir un autre visage. Le travail pour améliorer plusieurs tronçons route dans le corail, parmi les tronçons Cafouchal Corail et tronçon Corail Pestel, il y a environ 50 cailles qui ont construit pour plusieurs familles dans la commune. Nan. Une décision président de la République là te prend après cyclone Mathieu pour accompagner les victimes. Yo. Il y a plusieurs travaux qui ont fait simultanément parce que nous avons travaillé sur l'axe Corail Pestel là, ingénieur, tout le monde ils ont jugé bon pour jumeler et travailler, tirer le meilleur avantage du travail qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tous les blés qui sont sur la piste là par exemple, ils ont utilisé pour profiter du corail au terrain de football, nous avons un bon terrain de football pour jeunes. Et puis, on va remarquer tout, il y a plusieurs cailles qui continuent à construire, ça c'est le projet BPLS là. En total, il y a 52 cailles sur la commune Corail là, qui est supposé construire. Là, il y a 33 qui sont déjà en construction, à des stades plus ou moins avancés, il y a un logis là déjà, il y a qui peut même couvrir même. Mais au total, il y a 52 cailles qui ont construit. Il y a des gens après cycle non qu'on est dans le grand instant, particulièrement dans la zone Fond Rouge. Sous Jérémy, il y a des gens qui sont dans le grotte abdomen. Et donc, ce qui était vraiment frappé, président Moïse. Et il était ben, l'autre pour que PPLS et des gens qui sont au logement décent. Député Wolf Papillon déclarait ses obligations pour continuer la population en service. Député a félicité le président de la République. Là, il dit qu'il a continué à aider le travail à réaliser pour changer les conditions de la vie citoyenne dans la circonscription. Corail, il y a 82 ans que les parents bulldozer. C'est-à-dire que donc, le gouvernement passe déjà. Et nous-mêmes, si nous avons chaque semaine ça, il y a une administration qui est intéressée à zone panement, nous parlons nous-mêmes pour nous faire manifestation, pour réclamer qui ça. Ça va venir, est-ce que c'est mieux pour nous? Donc nous sommes obligés. Travail là, à partir du président Jovenel Moïse, qui nous prend décision, il dit que Corail est son priorité, que nous travaillons avec lui, nous avons deux bâmes qu'on fait en tant que député. Nous capable soit faire un coup en pilote pour nous faire, et camper, croiser bois, pas faire rien, et puis prendre la radio, dire président Bamati, etc., et pas régler la caméra, ou bien prendre la responsabilité, et puis qu'on y a là, moi assuré que ça présente dit, livré pour la caméra, que effectivement, il est livré la caméra. Citoyens qui déconnent fréquenter la route là, dans un moment avant, yo. Félicité l'administration Jovenel Moïse là, il a dit qu'il passe ce plan accompagné. Je suis venu dans la zone là, même sous moto. Je suis venu, faut que je vienne sous moto, pas mal faire service dans la moto. Quand il y a n'importe quelle moto, l'offre qui vient là, n'importe quelle machine qui vient là. Pour moi, c'est un gros travail que je fais là. Je vois un gros chapeau au président, Kembe FM, Kembe là. Pas occuper le monde qui a la pression, concentrer pour le faire travailler. Travail ça y est, réalisé à travers Caravane Changement. C'est une initiative administration en place là pour permettre service l'État yo rejoindre tout citoyen en dans pays ya. Film Taïwanais OECC qui réalise projet construction sentiment c'est ça dans commune Ferrier. Un travail qui gagne 12 mois depuis le démarré. Pour qu'on y a tout travail au fini. On était film là pour remettre travail là bas l'État haïtien à travers ministère agriculture. Directeur départemental agricole nord-est, l'agronome Sylvain Sama, dit au pari pour commencer à faire sentimenter à fonctionner à travers une équipe qualifiée qui déjà là pour ça. Nous parions pour nous recevoir et nous parions pour que nous fassions gestion sans ça comme ça doit. Par exemple, avant et réception, nous avons deux jeunes techniciens, deux techniciennes qui a pour information pour capable manipuler tout matériel qu'on saute là et puis capable faire gestion sans ça. Nous avons une équipe vraiment qui déjà est mobilisée pour que au capable relève là en dans ça avec appui d'Acadie directeur BAC et Ferrier for Liberté pour que vraiment yo ca faire sans ça fonctionner. Sentiment c'est ça qui va le desservir Grand Nord particulièrement mon nord-est gagne un paquet d'importance d'après directeur Sam qui, d'après lui, parle de planter à l'agriculture région. En termes de rizière, Nord-Est est deuxième
zone dans pays a peut-être gain plus espace pour faire du riz. Et notre Acadie c'est deuxième pôle de production du riz après vallée de la Tibonite. Ça veut dire nos grands pôles du riz et puis soit dire le Grand Nord ou reprend Saint-Raphaël ou ajouter à deux trois autres zones par exemple Milo, Plaine du Nord, ça veut dire là où gain pour le Grand Nord, c'est un gros volume de production que nous gagnons dans zone Grand Nord. Magistrat Ferrier François Placide exprime contentement pour projet ça qui réalisé dans commune là et puis profiter remercier président Jovenel Moïse qui était pensé à prendre dire dans pleine là. C'est un projet de grande envergure qui au bénéfice de la dit que Grand Nord et spécialement le département Nord-Est et qui placé sous commune Fille qui c'est Bamaribao qui c'est un grand axe de production et de durée à travers le pays d'Haïti. Je pense que son grande opportunité pour mon ferrier et pour le département Nord-Est. 19 décembre cap venir là, cette date responsable Kembe pour inaugurer cette semence dans la commune Ferrier. Nous sommes à pied d'œuvre parce que nous devons joindre un département loc côté caoutchouc taboulé et puis partout à travers le département et nous-mêmes avec leadership qui nous exprimer dans le département Nord, avec participation militants politiques qui estimaient que présence Augustin Pierrot et yo capable de parler, yo capable de dialoguer, nous entrer en pour parler avec eux pour nous faire dialogue et nous capable de jodi ou dans le Nord, capable de constater que toute activité est totalement reprendre et nous capable de travail à continuer pour nous qu'une stabilité et pour que la population a senti que l'État est présent et nous décider d'accompagner pour permettre à ce qu'il vaque librement l'activité. Dans la période, nous avons une inondation. 7 décembre passé pour arriver 9 décembre. Nous avons dit au Cap, département noir, que nous avons un mauvais moment, particulièrement ville Cap Haïtien. Et qui te gagne commune de Quartier-Morin, commune de Limonade, commune de Plaine du Nord, commune de Limbé et de Boyne qui te frappé par inondation, ou bien rivière qui te en cru. Nous te gagne une perte en vie humaine et nous gagne plus passé 10 000 familles qui sinistrent. Nous-mêmes, dans le département Nord, en commun accord avec la Chambre de commerce du Nord, et en commun accord également avec Food for the Poor, la délégation du Nord, nous avons organisé sans nous relever Boucané Tanboui, côté nous avons assisté dans la période là. Et en attendant que Bouy ait venu, fort heureusement, le président de la République, là, par l'entremise de la première dame, là, que nous avons profité pour nous remercier et féliciter, et bien te voyer kit alimentaire pour nous. Avec kit hygiénique côté depuis hier on a fait des distributions dans des foyers qui étaient extrêmement touchés et ça va nous permettre à ce que population transmette salutations et remerciements à président République là son excellent Jovenel Moïse et à première dame là qui t'ai pensé à eux. Voilà équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.